Réglons ça vite. D'aller m'occuper de ce leurre. Descends vite. Problème de moi. Je ferais bien d'aller m'occuper de ce leurre.
de le regretter. Problème de moi. Je ferais bien d'aller m'occuper de ce leurre. Problème de moi. Très bien d'aller m'occuper de cela. J'ai passé le test. Il neige. Il fait pas très chaud par ici.
à moi. Ça y est, je vais pouvoir filer. Le voilà, le leurre. Voilà, il n'attirera plus de machines. Occupons-nous maintenant de cet atelier. C'est Derval qui était derrière ces leurres. Ingénieux et dangereux. Je n'ai plus qu'à retourner prévenir Belvedere.
trempé par la neige fondue. Je ferai ce que je dois faire. Ça pourra me servir. Tu peux me consacrer quelques minutes de ton temps. On peut discuter, ce sera pas long. J'ai besoin que d'un bref instant de ton temps. Oh, je n'ai pas les mots. Merci beaucoup. Soldat de l'avant-garde. J'ai encore du mal à vivre. Attention quand tu réponds à des étrangers. Te barrer une entrée, mais la plupart du temps, ils peuvent se tirer quelque chose. Tu seras
sera ravi d'apprendre que j'ai trouvé et détruit un autre leurre. Tu ne devrais plus avoir de problème. Par le feu et la braise, tu t'es vraiment donné du mal. Comment tu sais qu'il n'y en aura pas d'autres ? L'atelier où je l'ai trouvé est abandonné. C'est bon. Bien. Mes hommes tenaient à te cracher dans la main, comme l'aurait fait mon frère. Au nom du Belvédère et de ma famille, mille merci. Éveillé toute la journée, et par les forges, je crois que j'ai bien mérité un verre de tour. J'étais un peu dubitatif au sujet de l'idiome de Prénabon, mais je veux dire comment... J'ai deux bras au céram bien robustes et chez l'ancien. Il y aura toujours un travail.
Tu viens avec moi. Les étincelles, ils doivent chercher la ferraille.
sûrement le domaine de Ranaman. Il faut que j'aille voir ce qui se trouve là-dedans. Brutalement. Merci. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un vienne me sauver. Je crois que les autres sont morts. J'ai quelque chose à vérifier dans l'atelier. Tu sais y entrer ? Notre gérant a une clé. Il doit encore l'avoir sur lui, pauvre homme. Il a servi mon père durant 16 années. Dis-moi ce qui s'est passé avec les machines. Il y a eu des cris. J'ai accouru. Le ravageur a tué tous les gardes. Comme des pantins. Mon père m'a poussée dans le cellier. Je l'ai entendu tuer un veilleur. Ensuite, les tirs du canon du ravageur. Et le silence. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais il m'avait enfermée. Il t'a sauvé la vie. Et je ne pourrai jamais le remercier.
Tu as une idée de l'endroit d'où pouvaient venir ces machines? Ou de pourquoi elles auraient attaqué? On voit de plus en plus de machines par ici chaque année. C'est pour ça que mon père payait des gardes. Mais elles n'avaient jamais attaqué comme ça. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Reste là. Je vais aller jeter un œil. D'accord. Je veux passer un moment avec mon père. Mal. Garde ça pour la route. Il y a sûrement un moyen d'entrer. Doit être le corps du gérant. Daradi a dit qu'il aurait la clé. Oui, voilà la clé. Cet appareil émet un signal. C'est peut-être ça qui a attiré les machines. Ok, ça devrait couper le signal. Mais quelqu'un a mis ça ici pour attirer les machines. Et tuer tout le monde sur le domaine.
J'ai trouvé un leurre. Je crois que quelqu'un l'a placé là spécifiquement pour attirer les machines. Est-ce que ton père avait des ennemis ? Oh, Ranaman. Mon frère. Oh, ça a été les paris, puis le vol, puis l'extorsion. Il a juré de se venger quand mon père l'a banni. C'est Ranaman qui m'a demandé de venir. Il voulait que je chasse les machines pour reprendre le domaine. Il faut l'en empêcher. Oh, ce serpent ! Empêcher de faire quoi, au juste ? Récupérer mon héritage ? On a grandi ensemble, assassin ! Où est ton honneur ? J'en ai pas. Mais j'aurai ce domaine. Quand tu rejoindras papa dans l'autre monde, dis-lui merci pour son argent. Quant à toi, ce petit appareil appellera d'autres machines. C'est quand même bien plus simple que de te... Bon, changement de plan. Je vais les éviter pour l'instant. C'est bien qu'il reste des gens comme toi dans le monde. Ça compense un peu les ordures comme mon frère. Mon père avait l'habitude d'être généreux avec ceux qui l'aidaient. J'aimerais entretenir cette tradition. Prends ça. J'espère que ça t'aidera dans tes voyages.